Good morning. Bonjour. Ils sont là. Hein? Apparemment, il y a beaucoup de gens. Yeah? Oui. Est-ce que la voiture est bloquée en bas? C'est bloqué, papa. Hein? C'est bloqué. D'accord. Ok. Non, ça va. C'est une clé. Je finis dans mon direct. Il faudra te charger de les chercher. D'accord, papa. Je vais finir. Hein? Je vais plus loin en bas. Ok, d'accord. Où tu achètes les. Regarde, il y a les 10 litres là. Mais demande pourquoi il n'y a pas d'eau. Demande, tu veux me dire. Je finis d'avoir vu mes amis ici en direct. Oh, Seigneur, merci. Nous venons juste d'arriver à Douala. Nous sommes dans la ville de Douala. We are here in Douala. Dear inhabitants of Douala, we love you, we bless you. Bonne arrivée. S'il vous plaît, connectons-nous massivement. On va parler de choses sérieuses. Partage la vidéo, connecte-toi et on va passer un moment extraordinaire ensemble ce matin encore. Je suis très content de te retrouver. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Il faut dire que nous sommes à Douala pour 3 jours de rencontres prophétiques. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, guide-nous. David a dit, Yahweh Rohilo Esar, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, sois notre berger dans cette nation. Sois le berger de ton peuple. Sois le berger de tes serviteurs. Seigneur, dévance-nous comme tu l'as fait au jour de Moïse et que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es bon. Seigneur, nos plesa inas proden necranista wa anas moravin wa ines in avenata balialoika filiachmani sarkinta ou dalfa. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Père, je prie que cette gloire soit libérée dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Jésus. Ta gloire. Ta promesse. Ta fidélité. Garita wa innas brem. Seigneur, que ta présence, ta fidélité soit répandue dans leur vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Le Dieu des impossibilités, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ah! Garita wa innas malias menaita meravena udalzoka. Père, je prie. Toute personne qui souffre des maléfices, mais des portes fermées. Quelle que soit la personne qui a fermé les portes dans leur vie, dans quelque domaine que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, ministériel, sur le plan de la carrière ou des projets, au nom de Jésus, que ces portes commencent à s'ouvrir. Que ces portes commencent à s'ouvrir. Que tes portes commencent à s'ouvrir. J'ordonne aux portes fermées de ta vie, aux portes antiques, aux portes millénaires et centenaires, de s'ouvrir au son de ma parole par l'autorité qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le démon des impossibilités qui a encadenassé ta vie, qui l'a enchaîné, qui s'est enchevêtré à ta destinée, pour t'empêcher d'exprimer c'est que Dieu a mis en toi et d'expérimenter la bonté, le goût doucereux de la bonté de Dieu pour ta vie pendant tes jours de pèlerinage sur la terre de vivants, au nom de Jésus. Que ces démons d'impossibilité s'éloignent de ta vie afin que tes impossibilités soient transformées en possibilités dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps, toute situation dans ta vie, toute décision salvatrice, toute décision salutaire que tu n'arrives pas à prendre,
Au nom de Jésus, reçois la grâce de prendre cette décision afin que ta vie soit ce que Dieu veut qu'elle soit dans le nom de Jésus. Je voudrais parler à quelqu'un qui est méprisé. À toi, à qui quelqu'un a frappé sa poitrine, disant, tant que je vis, tu ne seras rien. Tant que je vis, tu ne feras rien. Tant que je vis, tu ne réaliseras rien. Au nom de Jésus, en tant qu'oracle de Dieu dans ma nation, avec le manteau de Dieu sur moi, je viens prophétiser contre la prophétie de tes ennemis. Quiconque a dit que tu ne seras rien, je lui dis que lui ne sera rien, mais toi, l'Éternel te distinguera. La Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Au nom de Jésus de Nazareth, par des oracles prophétiques et divins, je commande que tu te distingues parmi les enfants de ton père, parmi les enfants de ta mère. Tu ne peux pas échouer. Tu ne seras confondu ni à tes frères, ni à tes soeurs, ni à tes cousins, ni à tes cousines. Ton cas sera différent. Ton cas sera différent. Le cas de tes enfants sera différent. Toute personne assise sur ta chair, sur ta vie, sur ta destinée, je la maudis au nom souverain de Jésus. La Bible dit point de paix pour les méchants. Tout méchant dans ta vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme, quelqu'un de ta famille, hors de ta famille, c'est son problème. Je proclame au nom de Jésus de Nazareth que toute personne méchante qui pour rien ne veut pas te voir prospérer, ne veut pas te voir heureux, ne veut pas que tu atteignes le bonheur dans ton lieu de travail, dans ta famille, au marché où tu vas, quel que soit le lieu, l'oracle de Dieu parle et le ciel exécute. Le sceau de Dieu est mis à chaque parole qui sort de ma bouche. Je suis venu ce matin prophétiser la libération dans ta vie. Tous ceux qui t'ont lancé le défi en disant que tu ne seras rien, tu ne feras pas telle chose, que tu n'atteindras pas tel sommet. La Bible dit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puisse atteindre. Tout rocher que tu ne peux atteindre par ta force, reçois la capacité de Dieu. Reçois la capacité de Dieu. Reçois la provision divine et tu atteindras ce rocher. Quiconque t'a lancé le défi, disant que ce rocher, tu ne l'atteindras pas, que tu le saches ou pas, que ce soit de façon directe ou indirecte, de façon connue ou inconnue, sache une chose. Je parle comme serviteur de Dieu dans cette nation et je secoue mon manteau sur toi en ta faveur et je le secoue contre tes ennemis. Toi, tu réussiras. Ah oui, tu réussiras. Je veux quelqu'un qui me dise, je réussirai. Mets en commentaire. Ah oui, je réussirai. Tu réussiras. Quels que soient les combats de ta vie, la Bible dit, montagne, qui es-tu pour résister devant Zorobabel? Qui que tu sois, tu seras aplani. Montagne, qui es-tu pour résister devant Zorobabel? Qui que tu sois, quelle que soit la montagne qui se dresse devant ta vie, quel que soit le nom de cette montagne, peu importe les dégâts que cette montagne a causés dans la maison de ton père, de ta mère, dans les temps antiques, au nom de Jésus, par toi, ta famille connaîtra le repos. Par toi, ta famille connaîtra le répit. Par toi, l'Éternel apportera le repos, la victoire. Celui qui dit Amen, la montagne de sa vie s'abaisse. Vous savez, bien-aimé, nous tous, on a des montagnes, mais tu ne peux pas échouer. Avec ce grand Dieu que nous servons, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Je veux quelqu'un qui dise, je ne peux pas échouer. Je ne vais pas échouer. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas né pour être le lardin de qui que ce soit. Je ne suis pas né pour accompagner qui que ce soit. Je ne suis pas né pour être le témoin de la gloire des autres, de la réussite des autres, du succès des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un, oh mon Dieu, oh my God, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a la mentalité de vainqueur? Cette barrière sera renversée. Cette barrière sera renversée. Toute barrière devant ta vie, je la renverse. Je la renverse. Je veux quelqu'un qui change de mentalité. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains 12, 1 à 2. Il dit, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je prie pour une transformation par le renouvellement de l'intelligence, ton intelligence. L'intelligence ici, c'est ton homme intérieur, ta façon de te voir. Regarde en face. Dis-moi, je ne veux pas échouer. Dis-moi, je ne peux pas échouer. Dis, les enfants qui sont sortis de mes entrailles ne peuvent pas échouer. Ce n'est pas possible.
La sémence de l'échec n'est pas mon partage. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis premier et non deuxième. Tout ce que ma main touche sera béni. Si c'est ta confession et si tu crois en cela, c'est en train de se passer dans ta vie maintenant. Tu te rendras compte cette semaine, dans ton lieu de travail, dans ta carrière, qu'il y a des nominations en ta faveur, qu'on t'augmente des grades, qu'on augmente ton salaire, que la faveur de Dieu dépend sur toi. Elle descend sur toi en abondance et de façon débordante. Je veux quelqu'un qui mette en commentaire la faveur de Dieu descend sur ma vie. Quiconque écrit ça reçoit la faveur. Je déclare et je prophétise la faveur. La faveur, la faveur, la faveur. Reçois, 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 reçois. Dans ton foyer, la faveur de Dieu te distinguera. Même si le cœur de ton mari était déjà loin, séduit, il avait été enjolé à l'extérieur. L'Éternel ramène le cœur de ton mari ou le cœur de ta femme parce que la faveur de Dieu est sur toi. Dans tes affaires, dans tes projets, je parle à tous mes enfants qui ont voyagé, qui sont à l'étranger, où ils n'ont pas de famille. Il n'y a personne sur qui s'appuyer. L'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ton pourvoyeur là-bas. N'aie pas peur. Le Seigneur me dit de te dire, n'aie pas peur. Le temps de traverser la mer Rouge est arrivé pour toi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Je ne me regarde pas comme un échec. Je ne suis pas né pour être un échec. Ce n'est pas possible. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Vous savez, ce qui tue les hommes, ce qui tue les enfants de Dieu, c'est leur mentalité. Ta mentalité détermine ton échec ou ton succès. C'est pour ça que nous sommes à Douala. Douala, trois jours dans la ville où les fondements de l'enfer seront ébranlés. Jésus a dit, « Taute te petra, oikonomé se mouten ecclesia, kaipulaï adou, ou katis kususin aoutes. » Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Bien-aimé, si je te disais ce matin que les portes de l'enfer n'ont plus le pouvoir sur ta vie, est-ce que tu vas croire? S'il te plaît, dis-moi amen si tu crois en cela. Si je te dis que Satan est sous tes pieds, la Bible dit que le Dieu de victoire et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Si je te dis que Satan est écrasé sous tes pieds, que tu as été conçu dès avant même le sein de ta mère pour être de la race qui écrase Satan sous ses pieds, est-ce que tu vas croire en cela? Satan est écrasé sous tes pieds. Tout domaine de ta vie où tu avais l'impression d'avoir d'échec, l'échec, où tu allais d'échec en échec, reçois la victoire. Parce que la sémence de la victoire est en toi. Ce n'est pas possible que tu échoues. Ce n'est pas possible que tu échoues. Toute barrière spirituelle contre ta vie est renversée ce matin au nom souverain de Jésus. Donc, change ta mentalité. Regarde-toi comme un vainqueur. Nous ne sommes pas un petit peuple, mes amis. Nous n'avons pas un petit Dieu. Notre Dieu est redoutable. Il peut te sortir des situations impensables et insoutenables. Si tu crois tout simplement, l'Éternel le fera pour toi. Il y a un bonheur devant toi. Je vois le bonheur. Je vois le bonheur. Oh mon Dieu, je peux ressentir le bonheur. Lorsqu'un prophète parle avec autant de vivacité, de perspicacité, c'est qu'il sait ce qu'il voit. Et je vois le bonheur pour moi-même. Je vois le bonheur pour toi. Je vous dis la vérité. Si je manque, je pars. Je ne presse plus Jésus. Je pars. Je retourne à Garoua. Je ne vais pas vendre les oiseaux là-bas. Mais je dis une chose qui est vraie. Il y a de belles années qui arrivent. Il y a de belles années qui arrivent devant toi. S'il te plaît, dis amen. Il y a de très belles années qui arrivent. L'Esprit de Dieu me dit de déclarer ces paroles. C'est ça que nous appelons les prophéties générales. Il y a une belle année qui vient devant nous. Je ressens cette année. Qui ressent ça? Qui ressent? Qui ressent cela? Ça n'est pas fini de toi. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. D'ailleurs, il n'a même pas commencé avec toi. Tes ennemis regretteront. Pourquoi ils se sont moqués de toi? Pourquoi ils t'ont insulté? Pourquoi ils t'ont rejeté? Ceux qui t'ont quitté te chercheront. Ils seront obligés. Parce que sans toi, ils ne pourront rien faire de leur vie. Tu seras la clé de leur vie. La clé de beaucoup de destins. La clé de beaucoup de destinées. La clé de milliers et de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions de gens sur cette terre des vivants. Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit ceci, que le chien, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon ami. Laisse tes ennemis conclure ta vie, ton histoire, mais toi-même ne la conclue pas. Dieu n'en a pas fini avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, je vais te dire ceci, écoute-moi bien. Demain sera beau. Pardon, donne-moi l'eau, je veux boire. Qui est là? Et moi.
Donne-moi une bouteille d'eau. Donne-moi l'eau. Darita wa innas prami. Je vois une saison. Je vois une saison, mon Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Le bonheur est devant, mes amis. Le bonheur est devant. Tu penses que tu es heureux. Tu n'es pas encore heureux. Le bonheur est devant. Je prie que Dieu ouvre vos yeux pour comprendre la véracité et surtout la véridicité de cette déclaration qui sort de ma bouche. Reçois-la avec foi. Il y a le bonheur. Le bonheur. Eh Dieu. Oh Jésus, merci mon Seigneur. Le bonheur. Bonheur. Qui est là? Il y a l'eau dans ma voiture. Le bonheur, le... Aïe, 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 aïe. Oh, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Je vois les gens sortir du malheur. Je vois les anges libérés. Les anges libérateurs. En train de sortir les gens de leur tombeau. Les gens sortent des cimetières où leur destinée avait été enterrée. Les gens sortent des cercueils. Les gens sortent des forêts, des bouteilles, des canaries. Je vois des gens délivrés. Je vois les anges punir le sorcier qui était assis sur ta vie, ton mariage, ta carrière, tes projets. Oh mon Dieu, je vois des gens restaurés. Oh, je vois la restauration. Seigneur, merci pour ce que mes yeux voient. Beaucoup de personnes sont visitées à l'heure où je parle. Les anges descendent. Les anges, je les vois envoyer dans les nations, au coin de la terre, aux quatre coins de la terre. Pendant que je parle, partout où ma voix arrive, je vois ces anges apporter la libération, la guérison. Les gens guérissent du cancer, les gens guérissent du VIH, les gens guérissent de toute forme de maladie, curable et incurable. Alors je parle. Oh, alléluia. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je vois les gens guéris. Je vois les maladies sortir. Je vois les maladies sortir. Je vois les maladies sortir. Je vois les maladies s'en aller. Je vois comment les gens arrachent les maladies. Arrache. Je t'ordonne de te lever, de marcher. Lève-toi et vis. Lève-toi et vis. Reprends ta vie en main. 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 Reprends ta santé. Je vois les gens, la gloire de Dieu. Je vois les malades guéris. Je vois les maladies partir. Je vois les aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher, les muets parler. Oh, je vois le VIH partir, le cancer disparaître. Je vois des boules disparaître dans les corps des gens. L'onction de guérison. La provision est abondante ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison à la maison. Où tu es, quel que soit le lieu où tu es. Reçois, 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 reçois. Il y a des femmes, les myomes vont sortir directement. Des femmes qui avaient la ménopause précoce. Je vois... Aïe, aïe, aïe. Je vois encore des menstrues restaurées. Reçois au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu avais mal, mets la main, reçois ta guérison. L'Éternel te visite. Ton Dieu te visite. Au nom de Jésus. Voyez, bien-aimé. La Bible dit, il te sera fait comme tu as fait. C'est Dieu qui le dit, hein. Il te sera fait comme tu as fait. C'est-à-dire que ce qu'on te fait de mal, Dieu va rembourser ça à ceux qui t'ont fait cela. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui me suit? Le Dieu de toute vengeance. Oh! Il a dit à lui la vengeance et à lui la rétribution. Le Dieu de toute vengeance est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été affligé dans un domaine de sa vie ce matin? L'Éternel rendra l'affliction à ceux qui t'ont affligé. L'Éternel rendra l'affliction à ceux qui t'ont affligé. Je veux quelqu'un qui dise Amen. Dis Amen. Dans ton combat, l'Éternel combattra pour toi. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, allez vous reposer. Ça, c'est l'hébreu. L'Éternel combattra pour vous. Il y a des gens pour qui Dieu est en train de combattre ce matin. Et ce soir, à partir de 16h, en Dogbon, ici même, dans la ville de Douala où je me trouve, actuellement, vous verrez ce que vos yeux n'ont pas encore vu. La main de Dieu sera agissante. Dieu te rend justice. Toute injustice dans ta vie, quel que soit le domaine de ta vie où tu as subi les injustices, Dieu me dit de te dire, pendant les 7 prochains jours, tu sauras que le Dieu que nous servons est un vrai Dieu. Pendant les 7 prochains jours, l'Éternel rendra l'affliction à ceux qui t'ont affligé. Et je vais dire, si vous êtes dans la ville de Douala, vous manquez ces 3 jours à partir de ce soir. C'est que vous n'aimez pas votre vie. Je vous dis la vérité. Vous voyez, ces 3 jours de choc prophétique.
Trois jours de choc prophétique. Et à la fin de ce mois, nous serons au palais de congrès de Ouarda pour le culte des familles avec service de Wend. Ça commence maintenant. Tous ceux qui sont à Yaoundé, palais des sports, de palais de congrès de Yaoundé. Palais des sports le mois prochain. Palais de congrès de Yaoundé. La main de Dieu va se manifester de manière exponentielle. Dimanche le 29 mai. Dimanche 29 mai. Palais des congrès de Yaoundé. Toute la ville de Yaoundé attendue là-bas. Toute la ville de Douala à partir de 16h, dimanche 29 mai, du côté de Ndorbon, derrière l'immeuble Kamné. Donc, bien aimé, Dieu m'a dit qu'il te sort de l'opprobre. Dieu. Oh, les gens, si je ne vois pas les amen, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les cœurs. Dis amen. Envoie-moi les pouces bleus, pardon. Appuie sur cela. Tu envoies les cœurs et les pouces bleus. Dieu déchire le vêtement de la honte de déchirer ta vie ce matin. Dieu déchire, Dieu enlève la honte de ta vie. Dieu me dit de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans les moqueries. Tu mourras point dans le sarcasme. Non. Tu mourras point dans la diatribe ou dans les pamphlets. L'Éternel déchire le vêtement de l'ignominie et de l'infamie sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette prophétie? Je suis juste en train de prophétiser sur toi. Juste en train d'ouvrir les portes à gauche, à droite, devant, derrière les portes que le diable avait fermées depuis le temps de tes aïeuls. Jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a dit prophétise et j'ouvrirai les portes de leur vie. Reçois ta délivrance, reçois une visitation. Il y a des gens à qui les anges vont apparaître physiquement. Dans leur chambre, dans leur lieu de service, des visions et des visions seront envoyées à des milliers et des milliers de personnes comme je suis en train de parler. La gloire de Dieu est dans ta vie. Mon ami, tu ne peux pas échouer. Écoutez, hein, tous ceux qui sont connectés à ce direct ce matin, le Seigneur me dit de vous dire, vous ne pouvez pas échouer. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Dieu me dit ne pleure plus. Ne pleure pas. Vous savez, lorsque nous parlons de ces choses, quand ça arrive, il faudra que tu sois capable de témoigner. Ne pleure plus. Dieu n'a pas commencé avec toi. Ne pleure pas. Demain sera beau. Demain sera beau. Demain sera beau. Ne regarde pas ta maladie actuelle ou à ta souffrance actuelle ou à tes manquements actuels. Je te déclare au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé. Demain sera beau. Satan a perdu cette bataille. Il a perdu cette guerre. Toi, tu seras heureux. Toi, tu seras une référence. Toi, tu seras un objet, c'est-à-dire un centre touristique. Pas seulement pour ta famille, mais dans ta génération. Deviens un centre touristique pour ta génération et ta famille. Les gens quitteront de loin pour venir voir ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ainsi que l'Éternel récompense ceux qui le servent de tout leur cœur. Laisse-moi te dire, quelles que soient les prophéties que tu as reçues depuis ta naissance, avant même ta naissance, toute malédiction contre toi visant à t'empêcher d'être l'homme ou la femme que Dieu a dit que tu es. Si tu crois que je suis prophète et que la parole de Jésus-Christ est souveraine et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus de Nazareth, toute malédiction proclamée contre ta vie, c'est le contraire qui va arriver. Si on dit que tu ne vas pas te marier, alors là, Dieu précipitera même ton mariage. C'est-à-dire que si Dieu avait prévu que tu allais te marier dans 20 ans, parce que tes ennemis se sont levés et ils ont dit tu ne te marieras pas, Dieu va diviser 20 ans en deux. En 4, en 5, et Dieu précipite ton mariage rapidement, ton élévation. Si quelqu'un avait dit que tu ne seras rien, je veux prier et prophétiser sur ceux qui sont à l'étranger, tous mes enfants de la diaspora, où vous êtes, dans cette terre étrangère, dans ce pays étranger, si vous croyez, je veux quelqu'un qui dit je crois, tu cherches les papiers, que l'Éternel te le donne, reçois au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois au nom souverain de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu dit, la terre m'appartient avec tout ce qu'elle renferme et je la donne à qui je veux. Aussi vrai que la terre appartient à Dieu, la nation où tu es t'appartient. Que Dieu fasse de toi propriétaire de cette nation. Ça veut dire que Dieu te donne le succès sur tout lieu. C'est ce que la Bible dit. C'est une alliance, mes amis, que j'active. Je n'invente rien. Il dit, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, je te le donnerai en possession. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, en Eurasie, que tu sois en Afrique, quel que soit le pays où tu te trouves.
Dieu te donne possession de chaque pays que tu fouleras. Toute terre que tu foules, reçois la possession. Reçois la possession parce que nous sommes descendants d'Abraham. Cette alliance est sur ma vie. Elle est sur ta vie. Que tu sois en Europe, reçois la possession de l'Europe. Tu réussiras là-bas. Tu ne seras point un esclave. Je refuse que tu sois esclave là-bas. Je refuse. L'Éternel fera de toi une source de bénédiction. Quel que soit le pays, tu attends les papiers. Je parle, reçois au nom souverain de Jésus. Tout document qui est retenu, tout document sur lequel le diable s'est assis, je m'assois sur la tête du diable et je prophétise que ton document est révolutionné immédiatement. Bien-aimé, reçois la faveur. Reçois la faveur. La Bible dit ceci. Honomos, diamauseos, et dote. Il dit, kai aleteia, kai te karis, dia Jesus Christo et geneto. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Reçois la grâce et reçois la vérité. He karis, kai he aleteia. Aleteia, c'est la vérité. La vérité ici, c'est quoi? La leiteia de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que partout où la plante de tes pieds foulera, c'est ta possession. C'est ça la vérité de Dieu pour toi. Elle vient de Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu qui t'ouvre les portes fermées et qui te donne d'avoir grâce où d'autres ont la disgrâce. J'enlève la disgrâce de ta vie. J'enlève la disgrâce de ta vie. Dis amen et tu es séparé de la disgrâce. La disgrâce, c'est la malchance. C'est ça qu'on appelle la malchance. Tout ce que tu entreprends échoue. Partout où tu arrives, tu es hué. Partout où tu veux entrer, tu es rejeté. C'est ça qu'on appelle la malchance. C'est la disgrâce. Elle n'est pas ton partage. La Bible dit que toi et moi, nous avons reçu de Christ la grâce et la vérité. La vérité, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie. Partout où nous serons. Il dit que Umeis est tophoston cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Je ne suis pas l'Éternel, mes amis. Je suis la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Je dois briller. On commence à briller. Je prophétise un mariage brillant. Je prophétise une carrière brillante. Je prophétise des études brillantes. Je prophétise des relations brillantes. Que Dieu te donne des connexions extraordinaires qui soient des aides de destinée pour ta vie au nom précieux de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, dis amen et la chose arrivera. Donc, bien-aimé, la grâce nous a été donnée. Et la vérité aussi nous a été donnée. Et nous voulons vivre sur cette grâce. Nous voulons vivre sur cette vérité. Nous voulons vivre en connaissance de cause. En connaissance de cause. Étant conscient de qui nous sommes. Étant conscient de la main de Dieu dans nos vies. Écoutez, mes amis. Laissez-moi annoncer quelque chose au Cameroun. Annoncer quelque chose au Cameroun. Je veux parler aux Camerounais. À la nation camerounaise. À tous mes frères. Camerounais qui me suivent. Écoutez mes amis, vous savez, dans cette nation, il y a eu des programmes qu'on a tenus. Des hommes de Dieu ont tenu des programmes. Et des programmes très, 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 très importants pour la destinée de cette nation. Mais le 24, le 25, le 26, ça sera terrible. Surtout le 29 déjà, qui sera préparatoire au programme du mois de juin avec mon frère le prophète Joël Francis Tatou. Je vous dis la vérité. Ça sera des moments explosifs, des moments redoutables. Des moments de... C'est-à-dire le 29 sera terrible. Mais le 24, le 25 et le 26 juin, au palais des sports de Ouarda, je vous annonce que quelque chose de dangereux est en train d'arriver. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de dangereux est en train d'arriver. J'étais en communication tout à l'heure avec mon frère le prophète Joël. Nous avons causé pendant longtemps des choses que Dieu est en train de préparer pour cette nation. Et je voudrais dire aux hommes de Dieu, soyons unis mes amis. N'empêchons pas à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. N'empêchons pas Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Et je voudrais que les gens comprennent une autre chose. Et je parle toujours aux hommes de Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser un seul homme pour la délivrance d'une nation. Dieu ne peut pas passer par un seul homme pour bénir un peuple. Chaque homme de Dieu est spécial. Chaque homme de Dieu est unique. Chaque homme de Dieu porte quelque chose d'unique de Dieu. C'est-à-dire, on peut se ressembler, mais on n'est pas identique. Je répète, nous pouvons nous ressembler, même en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous ne sommes point identiques. Pourquoi, bien-aimés? Dieu est riche. Il est ultra riche. Il est richissime. Et les dons de Dieu sont moultes.
Ça fait en sorte que Dieu ne manque pas de richesse à donner à ses serviteurs. Je voudrais que les hommes de Dieu comprennent cela. Dieu va nous bénir. Si Dieu passe par quelqu'un pour apporter une certaine grâce dans une nation pour le peuple de Dieu, parce que les gens seront bénis par millions au Cameroun et ceux qui seront connectés, ils seront comme s'ils étaient dans la salle. Tous seront bénis par millions. La grâce sera déversée. Mais je vais vous dire une chose. Ce programme sera quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans ce pays. Je répète, ce programme sera quelque chose que le Cameroun n'a pas encore accueilli. Que la francophonie, l'église francophone n'a pas encore fait cela. Ça, je vous avertis. Dieu va faire des choses inouïes. Pour ceux qui seront en direct connectés, des choses inouïes. Pendant que je parle même déjà, la main de Dieu est sur ta vie. Je vois des miracles inouïs en train de s'opérer. Pendant que je parle, reçois ton miracle. Les gens vont vous appeler pour vous dire, ah, votre dossier, ton dossier, viens prendre ton argent. Ou venez signer vos documents. Je vous dis la vérité. 7 jours de miracle, 7 jours. Demain encore, je fais un direct. Dieu m'a dit 7 jours de visitation divine. Pour ceux qui sont connectés ce matin, 7 jours, dis Amen. Oh, dis Amen. 7 jours. À partir de maintenant, Dieu vient de déclencher une avalanche miraculeuse de 7 jours dans ta vie. 7 jours de bénédiction, de visitation, de réparation, de restauration, de relèvement, de guérison, de bénédiction, de distinction. Dans tous les cas, 7 jours de miracles inouïs viennent d'être ouverts dans ta vie, en ta faveur, sur ton compte spirituel. Je dis la vérité. Nous ne servons pas un petit Dieu. Donc, j'étais de disance aux hommes de Dieu que nous devrions travailler pour Christ, pas pour nous-mêmes. Travaillons pour le bien de l'Église en général. Travaillons pour le bien de l'Église en général. S'il vous plaît, faisons-le. Je vais dire à tous mes fils, je leur ai dit déjà, ces 3 jours, si vous aimez Dieu et vos ministères, je parle comme père, je parle de ma famille prophétique, tous mes fils prophétiques qui appartiennent à ma lignée généalogique, qui savent que le manteau que je porte influence leur vie et que l'huile que Dieu m'a donnée influence leur vie et que le travail que je fais, c'est pour eux. Oui, c'est pour vous que je fais ce travail. C'est pour vous que je me sacrifie. Parce que votre héritage, la voie qui est en train d'être frayée, c'est pour vous. Vous ne combattrez pas les combats que j'aurais combattus dans le domaine prophétique. Non, vous ne combattrez pas ces combats. Vous viendrez, vous hériterez de mes combats. Vous hériterez des résultats de mes combats, des fruits de mes combats, et vous ajouterez à vos propres victoires vos combats. Donc, bien-aimés, à tous mes enfants, mes fils spirituels, je leur ai déjà donné une date où on doit se voir avant. Mais le 24, le 25, le 26 juin, ne manquez pas. Nous serons ensemble au Palais des Sports de Ouarda, bien avec toute ton église. Toute ton église. Et dimanche le 26, c'est le culte national où toutes nos églises au Cameroun doivent être au Palais des Sports de Ouarda. Donc, ne combats pas ton frère, mon ami. Ne combats pas ton frère. Ne sois jamais jaloux de l'élévation de quelqu'un. Ne sois pas jaloux de la visitation de quelqu'un. Non, au contraire, soyons humbles. Sois humble. Reconnais la main de Dieu et sa grâce dans la vie d'autrui. Et on verra la main de Dieu et sa grâce dans ta vie. Donc, unissons-nous pour que ce programme soit un succès. Et comme nous le faisons, que Dieu te bénisse. Et à tous ceux qui sont à Douala, dans la ville de Douala, je suis à Douala. Ce soir, nous lançons les hostilités. Ce soir, à partir de 16h, nous lançons les hostilités. Mardi, mercredi, jeudi, nous lançons les hostilités. Tous les soirs, à partir de 16h, l'église est au quartier d'Ogbon, derrière l'immeuble Camelet. Donc, maintenant, pour revenir, je vois une couronne sur ta tête. Eh, Seigneur, ouvre les yeux. Pardon, ouvre les yeux. Je vois des couronnes. C'est comme en diamant. C'est pas en or, en diamant. Je vois des couronnes sur les têtes des gens. Je vois Dieu mettre des couronnes sur les têtes. Ça veut dire que la saison de l'ignominie est finie. La saison du mépris est finie. C'est fini. Si tu crois en ça, dis Amen. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus. C'est fini au nom de Jésus-Christ. C'est fini au nom de Jésus-Christ. C'est fini au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, le Congo et le Cameroun, il faut comprendre que le programme que je suis en train d'organiser avec mon frère prophète Joël, c'est un programme, c'est plus qu'un simple programme. C'est deux onctions qui s'unissent. C'est deux manteaux qui s'unissent. C'est deux peuples qui s'unissent derrière deux hommes.
Oh mon Dieu, c'est deux peuples qui s'unissent derrière deux hommes. Il faut dire que le Congo est une nation spirituellement lourde. Il y a des géants dans la francophonie. Le Congo est l'une des nations lourdes. Ça veut dire que le Congo est un peu comme notre Nigeria dans les pays anglophones. Vous voyez donc, le Congo vient se joindre au Cameroun. Et le Cameroun est une nation naissante qui a un grand potentiel spirituel. J'ai beaucoup pleuré pour mes jeunes fils, les prophètes du Cameroun. Je pleure. J'écris à Dieu tous les jours pour vous, mes enfants. Je prie. Je vois votre zèle. Je vois vos efforts. Je vois votre abnégation, votre engagement, la volonté. Puisse Dieu vous donner l'onction. Puisse Dieu vous donner la provision. Qu'il y ait des prophètes dangereux. Et je vous dis la vérité. À partir d'aujourd'hui, que les gens se préparent, les choses ne seront plus les mêmes. Ça sera très différent. Les choses seront très, 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 très différentes. Il y a une nouvelle espèce de prophète que Dieu est en train de vouloir susciter au Cameroun. Dieu est en train de vouloir susciter au Cameroun. C'est une race dangereuse. Une race redoutée. Redoutable et redoutée. Et Dieu a commencé cette œuvre. Je vous dis la vérité. En 2009, laissez-moi vous rappeler une vision que j'ai eue en 2009. J'étais encore pasteur aux assemblées de Dieu. En 2009, juste après ma formation théologique, j'étais en train de prier dans ma chambre. Les hommes de Dieu, prenons le temps pour les retraites spirituelles. Le temps de la retraite est arrivé. Enferme-toi, fuis la distraction. Fuyons la distraction. Fuyons la distraction. Fuyons la distraction. Fuyons la distraction. Rattachons-nous à la cause. Prends des temps de retraite. Vous savez, bien-aimé, j'étais en train de prier dans ma chambre. Et comme je priais, oh, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Seigneur, tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main. Amène-moi là, Seigneur, amène-moi jusqu'au rocher que je puisse atteindre. Oh Seigneur, tiens ma main. Jésus, tiens ma main. La honte ne sera pas le partage du Cameroun. Non. La honte ne sera pas le partage du Cameroun. Non, 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 mes amis, non, non, non. Ça, c'est le nom de Jemima. Quand je lui ai dit, est-ce qu'elle va se marier, elle a dit non, non, non. C'est ce nom, c'est vrai. On ne peut pas échouer. Mes enfants, nous n'échouerons pas. Notre génération n'échouera pas. C'est vrai, le diable contre-attaquera. Le diable va essayer de nous persécuter par tous les moyens, mais nous n'échouerons pas. Nous n'échouerons pas. Donc, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais à genoux, j'ai vu un vent. 2009, j'ai vu un vent. Le vent soufflait. Et j'ai vu une armée. Et j'ai entendu la parole de l'Éternel. Je susciterai une armée de prophètes au Cameroun. Je susciterai une armée de prophètes au Cameroun et de prophétesses que j'envoyais, j'enverrai aux confins des nations pour annoncer ma parole. Bien-aimé, je suis tombé dans ma chambre. Oh, je suis tombé dans ma chambre. Je suis tombé dans ma chambre sous l'onction. Et la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel me parlait des choses qui arriveraient. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. À cette époque, je ne pouvais même pas voir les babouches de quelqu'un prophétiquement parlant. Donc, je vais dire aux hommes de Dieu, à tous ceux qui aiment le ministère prophétique, fuyons la distraction à partir de maintenant. Dans ta maison, dans ta famille, on doit connaître que tu es en prière. Sois en prière régulièrement, lis ta Bible régulièrement, sois enfermé le plus souvent. Dieu ouvrira tes yeux. Dieu nous ouvrira des horizons. Dieu m'a dit ceci sur le Cameroun. Écoutez bien, écoutez. Écoutez, je bénis Dieu pour la position qu'il m'a donnée. En ce qui concerne l'église, et en ce qui concerne surtout le ministère prophétique dans mon pays. Vous m'avez vu prophétiser, c'est vrai. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais attachez vos ceintures, attachez vos ceintures. Nous avons prophétisé au point où nos propres enfants doutent. Et demandent si c'est vrai. Bien-aimé, Dieu m'a dit ceci. Lorsque le temps de l'église du Cameroun viendra, comme on voit Nigeria aujourd'hui, où l'église du Cameroun devra régner, le Seigneur m'a dit que l'église du Cameroun aura 100 ans de règne.
100 ans, son mandat durera 100 ans. Pendant 100 ans, on ne parlera que de l'église du Cameroun, des hommes de Dieu au Cameroun, la puissance de Dieu dans la vie des hommes de Dieu au Cameroun, la gloire de Dieu, les miracles, le prophétique, les guérisons, l'enseignement, les méga églises, ces choses vont arriver au Cameroun. Ça va arriver dans ce pays. Ça a commencé. Et ce que vous voyez, ce n'est même pas le premier balbutiement des choses qui vont arriver. Il y aura un réveil tel que nous allons remplir les salles. Et j'ai dit ça au prophète Joël tout à l'heure, quand nous sommes posés, je lui disais que le programme de juin est un programme qu'on organise en un mois environ, c'est environ un mois 10 jours, un mois 15 jours. Après un mois 15 jours pour organiser ce programme. Mais après ce programme, nous allons organiser un deuxième programme, mais cette fois au stade. On va prendre le stade. Il faut oser, mes amis. Il faut oser. Nous devons oser, mes amis. On prendra un stade. Si quelqu'un sait, peut nous aider à voir un stade. À Yaoundé ou à Douala, s'il vous plaît, nous voulons un stade. Nous voulons le stade. Nous voulons le stade. Il nous faut le stade. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Il faut bien quelqu'un pour oser. Et Dieu va t'utiliser pour oser dans ta famille. Pour oser, tu oseras et tu réussiras. Tu oseras te marier et tu réussiras. Oui, mon ami, tu oseras être riche et tu réussiras. Parce que être riche, c'est pour la gloire de Jésus de Nazareth. Tu oseras. Qui osera dans sa famille? Je vais voir quelqu'un qui écrit en commentaire, j'oserai. Qui osera dans sa famille? Qui va se lever aujourd'hui? Dis comme Gédéon, je vais oser. Dis comme Jephté, je vais oser. Dis comme Joseph, je vais oser. Dis comme David, je vais oser. Il y a quelqu'un qui doit se lever dans ta famille pour oser. Et cette personne, je crois de tout mon cœur que c'est toi. Mon ami, refuse l'échec. Refuse. Quel que soit le degré de souffrance que tu expérimentes aujourd'hui, sache une chose. Tout dépend de ce que tu penses de toi-même. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, Jean 14, 1. Dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il croit en lui-même. Et il demande aux autres de croire en lui. Et dans Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Donc, il dit, imitez-moi parce qu'il croit en lui-même. Quelqu'un qui ne croit pas en lui ne peut rien faire. Je veux quelqu'un qui dise, j'oserai. Je vais oser. Oui, je vais oser. Lève-toi et ose. Si personne n'a jamais réussi dans ta famille, ne t'aligne pas. Ne t'aligne pas derrière cette filiation d'échec. Mon ami, tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas les autres. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas tes frères. Tu n'es pas tes soeurs. Tu n'es pas tes cousins. Tu n'es pas tes cousines. Lève-toi et ose. Je veux quelqu'un qui dise, j'oserai. Ose. C'est parce que personne ne s'est jamais marié. Personne n'a jamais construit une maison. Mon ami, vous pensez que le christianisme, c'est l'appel à la médiocrité? Non, au contraire. Le christianisme, c'est l'appel à l'excellence. Où tu es, les gens doivent t'admirer. Ce n'est pas à toi d'admirer le monde. C'est au monde de nous admirer, mes amis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Umeish este, tes ges. Il dit, umeish este, tes alas, tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Reçois la saveur. Au nom souverain de Jésus, dis, moi si, je ne peux pas échouer. Même si ta vie est comment, même si tu n'arrives pas à manger. Je ne sais pas quelles sont les conditions dans lesquelles tu es en train de vivre, mais sache que toutes conditions difficiles que tu peux expérimenter, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi et qui en sont sortis victorieux. Donc, il y a qui en sont sortis victorieuses. Donc toi aussi, sache que si Dieu a fait ça pour eux, dis, Dieu le fera aussi pour moi. Dis, je ne suis pas né pour échouer, je réussirai. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose et je vais prier avec toi. Je vais te bénir. Laisse-moi te donner une petite leçon de génétique. Pour nous tous qui sommes nés, personne n'est né un échec. Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Seigneur, maman, aide-moi à comprendre ça. Il faut que Dieu m'aide. Le prédicateur lui-même a besoin de bien assimiler ça. Après le direct, maman, je dois m'asseoir pour encore bien assimiler ça. Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Donc, les médiocres ne naissent pas. Les médiocres ne naissent pas, mes amis. Les médiocres ne naissent pas. Personne ne naît avec l'échec. C'est les champions qui naissent. Vous savez bien aimé que lorsque ta mère et ton père, ou ma mère et mon père, lorsque les deux ont décidé de faire ce qu'ils ont fait,
pour que toi et moi nous soyons faits. Chacun de nos papas a déversé dans chacune de nos mamans au moins 40 millions de spermatozoïdes. 40 millions de spermatozoïdes. Et les 40 millions de spermatozoïdes, tous, allaient pour féconder l'ovule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une époque de la vie de chacun d'entre nous où nous avions une compétition où il y avait 40 millions de candidats. Et nous nous sommes mis à courir vers l'ovule, pour l'ovulation. Beaucoup de millions sont morts. Beaucoup de nos concurrents, nos frères, nos sœurs, hein, qui étaient encore des spermatozoïdes, sont morts en traversant le désert de la flore vaginale. La sécheresse de la flore vaginale en a tué des millions. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau même de la distance maintenant, jusqu'à l'ovule, la distance aussi a encore tué des millions de nos frères, de nos sœurs, alors que nous étions encore des spermatozoïdes. Toi et moi, on a continué la course avec d'autres millions de combattants, de guerriers. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé l'ovule. C'est les meilleurs qui sont arrivés jusqu'à l'ovule. Maintenant, l'ovule avait une coque, une coquille pour la protéger. C'est toi et moi qui avons réussi à casser la coquille, c'est-à-dire à ôter le blindage de l'ovule et fécondant l'ovocyte 2. Et c'est ainsi que nous sommes nés. Nous sommes nés champions. Nous avons les germes des champions en nous avant même que nous ne naissions. Ces batailles que nous avons traversées alors que chacun de nous n'était qu'un spermatozoïde, la flore vaginale, la distance, et puis la protection de l'ovule, etc. Mais on a remporté tous ces obstacles. C'était un prélude. C'était un analepse. Non, c'était un prolepse. C'était un prolepse de la victoire, des combats que nous aurions sur la terre où nous naissions. Et c'était un prolepse de la victoire que nous aurions sur ces obstacles. Donc tu as remporté des grandes victoires, des grandes batailles, mon ami, alors que tu n'étais qu'un spermatozoïde. À combien plus forte raison maintenant où tu es un homme fait, une femme toute faite. Alors lève-toi et ose. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous ce soir à partir de 16h. Ici à Douala, derrière l'immeuble Kamler, au niveau de notre église, à Ndobon, on a 3 jours de rencontres prophétiques où je veux prophétiser dans ta vie comme jamais. On ne l'a fait. Tous ceux qui veulent consulter Dieu, rendez-vous 3 jours de rencontres prophétiques et que Dieu te bénisse. Dans les hautes sphères prophétiques, nous allons nous retrouver tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Dimanche le 29, culte des familles au palais des congrès de Yaoundé à partir de 7h30. Et dimanche et le 24, le 25 et le 26 au palais des sports de Ouarda avec l'homme de Dieu, prophète Joël Francis Tatou, mon ami et mon frère personnel. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Bye.